God had to flush everything away. Dieu devait vraiment laver tout. I don't know where you are trapped in your life. Je sais pas où tu es encore cloué dans ta vie. Today is that first morn again in the 10th month. Aujourd'hui c'est le premier jour et le premier dimanche du 10e. Let the blood of the Lord wash everything that might have hold you captive. Permets au sang de Jésus de laver tout ce qui te tenait encore captif. Let the blood of the Lamb disconnect any curse so that you start today afresh. Et permets que le sang de Jésus puisse te déconnecter de toute malédiction dans laquelle tu étais encore. Those who saw you as a failure, they will see you now as a giant. Ceux avec qui t'ont vu comme un faible ou quelqu'un qui avait tout échoué, ils vont te voir comme un grand. If you believe it, claim it. Crois cela, il faut le proclamer que cela soit pour toi ta part. Amen. Amen. Before I write on, I want to do this little exercise. Avant que nous ne commençons, je veux que nous fassions. You can be seated, please. Vous pouvez vous asseoir. What is our title for today? Quel est notre titre d'aujourd'hui? Le titre, le thème. What is the title for our today's message? Le thème, le titre du message d'aujourd'hui. I shared it on the group. J'ai partagé cela sur le groupe. Stop comparing and competing with God. God bless you. The title is Run Away from Comparison and Competition. The truth is, when we share message on the WhatsApp group, it is for our own good. When we share it, it's not being read. Quand nous partageons cela, cela n'est pas dit. Then it makes no sense to share. Et cela ne donne aucun sens de continuer à partager cela. It seems like we are preaching, yet if we preach, it doesn't change or transform people, then there's no need to preach. Mais c'est pareil quand nous prêchons ici et que la prédication ne change pas la vie des gens, donc cela, on n'a plus besoin de pouvoir prêcher. But I pray God equip us to be alert all the time. Je prie vraiment que Dieu puisse nous équiper pour pouvoir être en alerte à chaque moment. It encourages when we share message, people read, comment, and also share message that will encourage one another as well. Cela encourage quand on partage les messages que les uns les autres nous lisons et que nous aussi nous avons une réaction sur ce message. Let us come back to our topic for today. Nous allons revenir sur notre topic d'aujourd'hui. Why should we run away from all competition and comparison? Pourquoi nous devons fuir de toute comparaison et de toute sorte de compétition? The reason is very simple. La raison est très simple. If you compare and compete, you live a fake life. Si tu te compares à d'autres personnes et tu fais une compétition avec d'autres personnes, tu vas vivre une fausse vie. You don't live the life God created you to live. You struggle all the time to live the life of other people. Tu ne vas pas vivre cette vie que Dieu t'a donnée comme un cadeau, mais tu vas te combattre toi-même pour pouvoir vivre la vie de d'autres personnes. Because before you compare with somebody or compete, you have to first know whether you were created to do that thing you are competing with that person to do. Parce que avant que tu ne puisses te comparer ou vivre la vie de d'autres personnes, tu dois savoir est-ce que tu as été créé pour vivre cette vie. Because of this false mentality, the way the world is pushing us, we are forced to do something to get popularity, to get the acceptance of people. À cause de cette fausse mentalité du monde aujourd'hui, nous sommes forcés à pouvoir vivre ou être en compétition avec d'autres personnes pour pouvoir avoir des personnes qui vont nous suivre. I'm going to show you the Bible. When Jesus was pushed to do the things to please people to become popular, he refused. Et je vais vous montrer ça aussi dans la Bible. Quand Jésus a été poussé pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir plaire aux gens, en fait d'être populaire, il a refusé de faire ce genre de choses. You are laying alone on earth here. Don't compare, don't compete with anybody. Tu es sur ta ligne de compétition, toi seul, tu n'es pas avec d'autres personnes. Donc arrête de te comparer ou à vous, à faire une compétition avec d'autres personnes. You see somebody buy a car, you don't know the source of the finance. You go and borrow money to buy the same car. Tu vois une personne qui a une voiture, tu ne connais même pas la source de ses revenus, tu vas aussi prendre un crédit pour payer cette même voiture. You see somebody is building a house, you want to also go and borrow money to go and build, put yourself in problem. Tu vois aussi une personne qui est en train de construire une maison, tu veux aussi aller prendre un crédit pour pouvoir construire aussi cette même maison et te mettre dans des difficultés inutiles. Without those things, can you live? Est-ce que sans ces choses-là, tu peux vivre? The answer is yes. Et la réponse
Why wasting your time competing and comparing? Pourquoi perdre ton temps pour faire une compétition de comparer? You live your life based on what the people will say, not based on what God says concerning you. Et tu vis ta vie sur la base de ce que les autres vont dire, non sur la base de ce que Dieu a prévu pour toi. And if you are one of them, I pray today, let it be a new beginning in your life. Et si tu es ce genre de personne aujourd'hui, je te dis de prier en fait que cela s'arrête dans ta vie, qu'il y ait un nouveau commencement pour ta vie aujourd'hui. All of us make mistakes, that's true. Nous tous nous faisons des erreurs, c'est la vérité. But since God loves us unconditionally, He always come and remind us to follow the lane, the track He has created for you and for me. Et que quand Dieu nous aime de manière inconditionnelle, il vient à chaque fois nous parler pour pouvoir nous remettre sur le bon chemin, en fait de suivre ce qu'il a tracé pour nous. Turn the Bible with me to John 7. Nous allons lire dans le livre de Jean 7, le Nouveau Testament. We are going to read verses 4 to 6. Nous allons lire à partir du verset 4. Jean 7, verset 4. Jusqu'à 6. John 7. Yes, Pastor. John 7, 4, 5, and 6. John 7, 4, 5, and 6. It says, "No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even his own brothers did not believe in him. Therefore, Jesus told them, 'The right time for me has not yet come. For you, any time is right. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that what it does is evil.'" Amen. You see, this is Jesus that created everything. Vous voyez, ça c'est Jésus qui a créé toute chose. And they were forcing him to go and do something in public to become popular. Et il était forcé d'aller faire des choses dans le public afin d'être populaire. And that is where all of us find ourselves. We want to be popular by all means. Et c'est là que nous très souvent nous retrouvons, nous voulons être populaires par tout moyen. Ask yourself, at what price? Et demande, pose-toi la question, est-ce que le Christ? But Jesus told him, "My time has not yet come. So your time is over there. Do whatever you want, but for me, I will not do it because you want it." Et Jésus lui a dit, "Mon temps n'est pas encore arrivé. Peut-être que vous votre temps arrivé, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, mais moi mon temps n'est pas encore arrivé pour pouvoir agir." There are many examples of Jesus. Even when the devil tested him, he said, "Turn this stone to bread and eat." What did he say? He said, "Man shall not live by bread alone, but by the word of God." Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible parlant que Jésus nous a montré. Et au moment où le diable lui a dit de tourner la pierre en pain, en fait qu'il puisse manger, il a répondu en disant que l'homme ne doit pas vivre que de pain, mais de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Was he unable to turn the stone into bread? Est-ce qu'il était incapable de pouvoir tourner cette pierre en pain? Non. No, he was more than capable to do it, but he did not do it because he did not want to be popular. Mais il était plus capable de le faire que jamais, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas être populaire à cause de ce que les autres vont vouloir. You see, the things you do in secret, impacting people's life, will certainly come to light whether people like it or not. Et il faut savoir que les choses que tu fais dans le secret vont impacter la vie des gens et cela va venir dans la vraie vie. But the things you seek to do in popular, to be popular, they will bring you down and then you find yourself in the pit. Et les choses que tu vas vouloir faire dans le public, en fait que les gens puissent voir, ces mêmes choses vont te conduire au désespoir, vont te conduire à la peine, et les gens vont commencer à se moquer de toi. You see, man is struggling to feed the family. The husband, the wife is comparing you with another man. Come on, live your life with your husband in peace. Vous voyez l'homme en train de se battre pour pouvoir nourrir sa famille, mais sa femme, au lieu de regarder ce que son mari fait, elle va vouloir comparer son homme à d'autres. The person you are comparing your husband to, do you know the source of the income of that person? Cette personne avec qui tu es en train de comparer ton mari, est-ce que tu connais la source de son revenu? Or you are comparing your wife with another woman you see outside there. Do you know the content of that woman outside? Ou tu compares ta femme à d'autres femmes, est-ce que tu connais la vie de cette femme-là? We should not push people to try to make them to do things that they don't want to do. Nous ne devons pas pousser les gens à faire les choses dont ils n'ont pas envie. Because many of us are living fake lives because we want to please people outside there. Et la plupart de nous ont une fausse vie tellement ils ont envie de plaire aux gens du dehors. But God prayed to send you alone before He sent you to this world. Follow your track, my brother and sister. Mais il faut savoir que Dieu t'a créé seul avant qu'il ne puisse te mettre dans ce monde là. Donc suis le chemin qu'il a tracé pour toi. Pastor, let us see the fruits of our competition and comparison. In James 3, we are reading verse 13 to 16. Nous allons lire le livre de Jacques
comparison and competition, what are the fruits? James 3, you read 13 to 16. Yes. It says, who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Hallelujah. You see, the Bible is very clear. When you engage into competition and comparison, it says that when you lack wisdom and understanding, that comes from above. It says everything you do is earthly. It is unspiritual. Cela n'est pas spirituel. And it is demonic. And he went further to say that what? Those who practice all these things, their life is in disorder. So as examine your life, my brothers and sisters, if you are living an orderly life, it means that you don't do things to please people, to accept, to get, look for acceptance. Si tu vis une vie donc cela veut dire que tu n'es pas en train de vivre pour pouvoir avoir une acceptance des gens du dehors. Because people that will accept you outside there, tomorrow if you don't give them the things that you influence them with to accept you, they will run away. Parce qu'il faut savoir que ces personnes à qui tu vas vouloir plaire, si demain tu ne fais pas ces choses là pour que tu puisses t'accepter, ils vont fuir de toi. But God that created you, accept you the way you are. You don't want to follow his instructions. Mais le Dieu même qui t'a créé, qui t'accepte tel que tu es, tu ne veux pas suivre ses instructions. He said, what we are doing, if you are comparing and competing, they are unspiritual. Et comme il nous a prévenu, si nous sommes en train de faire des compétitions, ou nous sommes en train de nous comparer, c'est des choses qui ne sont pas spirituelles. And everything you are doing, they are just earthly, that they are going to put more pain in your life, more frustration, more destruction. Et toutes ces choses-là que nous serons en train de faire vont nous envoyer plus de peine, plus de frustration et plus de malheur dans notre vie parce que ce sont des choses terrestres. I don't think that any of us like to put yourself in a state of frustration. Et je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de vivre une vie de frustration. You see me, you admire my life, you want to be like me. Do you know what I'm going through? Tu vois ma vie, tu admires ma vie, tu veux être comme moi, mais tu sais, est-ce que tu sais la chaussure que je porte? You can compare with somebody to boast your morale, to wake up and approach something differently. That one is not bad, but when you are competing to make yourself known, to seek the attention of people, that's the wrong motive. Tu peux te comparer à des personnes pour pouvoir réactiver ton mental, réactiver ton esprit, pour te dire que non, mais je suis en train de dormir, il faut que je me réveille. Mais quand tu es en train de compétir avec ces personnes-là, tu es en train de te mettre dans des difficultés inutiles où tu ne pourras même pas finir. Many of us, I don't know, we come to church, we listen, but when we go out there, those who don't even go to church, the non-believers, they are the ones dictating the kind of life we should live. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, nous sommes toujours présents, mais nous vivons une vie qui n'est pas aussi qu'on l'autre, mais ceux-mêmes qui ne vont pas à l'église, qui sont dans le monde, ce sont ceux qui impactent notre vie, ce sont ceux qui nous disent ce que nous devons faire, c'est vraiment dommage. And you ask me, how do I know? Et tu me demandes, mais comment est-ce que je le sais? It is sin in the competition what you are doing. Cela se voit dans la compétition que tu fais avec les autres. If you see somebody buys an iPhone, you want to also have that iPhone. Can you afford it? Si tu vois quelqu'un qui a payé un iPhone, tu veux aussi payer ce même iPhone, comme si tu as les moyens pour pouvoir avoir cela. Is it a need or a want? C'est un besoin ou c'est une volonté. What is your motive in buying it? You are buying it because you want to prove to the people that you have also arrived to the rank of great people, or you are buying it because you need it for your work. Et quel est le sens de pouvoir payer cela? Tu payes cela parce que tu veux faire plaisir aux gens pour voir que les gens puissent savoir que tu es arrivé, ou bien tu le fais parce que tu as besoin de ça, il faut qu'on sache. If I'm living in one room house, I'm comfortable, but I want a 20 bedroom so that people should know that I'm rich. What for?
Quand je vis dans une chambre salon, je me sens à l'aise, je n'ai pas de difficulté, mais j'ai envie d'aller prendre une maison et au moins un champ pour que les gens puissent voir que j'ai de l'argent. Et cela, c'est pourquoi on fait. When you will be leaving this earth, will you take something along with you? Est-ce que quand tu vas quitter ce monde, tu vas prendre quelque chose avec toi dans ta tombe? I'm urging the church to live a simple, simple, orderly life. Je suis en train de vous prier toute l'église de pouvoir vivre une vie sainte et une vie ordonnée. And if you live that kind of lifestyle, your peace cannot be taken away, your joy cannot be taken away, your happiness can never be taken away. Et quand tu vis ce genre de vie, ta paix ne peut pas être arrachée, ta tranquillité ne peut pas être arrachée, et ce que tu es en train de faire qui te met dans le bonheur ne peut pas être arraché non plus. Pain and sorrows comes to us because of competition and comparison. Nous avons la peine qui vient dans nos cœurs, la tristesse à cause des compétitions, des comparaisons inutiles que nous faisons. But you have everything God has given to you. The air you breathe is more important than even the clothing that we have on. Mais déjà toutes ces choses-là dont tu as besoin, Dieu t'a donné. Et même l'air que tu respires, c'est plus important que toutes choses. Dieu te l'a donné aussi. Instead of appreciating God for that, you are looking left and right, examining people on scale to see what they have, so that you can be on top, so that they come to beg. Au lieu d'apprécier ce que Dieu te donne, en fin de toujours être dans sa présence et le glorifier, tu commences à te comparer à d'autres personnes et faire des plans pour pouvoir être au-dessus de cette personne afin que les gens puissent venir et que mon Dieu auprès de toi. I pray that we should be Christian, both in our lifestyle, in our speech, in everything we do. Je prie que nous soyons vraiment des chrétiens en même temps dans nos styles de vie, dans nos manières de parler, dans nos actes, dans nos actions, partout autour de nous. And what are some of the ways we can run away from competition and comparison? Quelles sont ces voies que tu vas utiliser pour pouvoir fuir de ces compétitions et de ces comparaisons? Let us read Philippians 2, verse 3 and 4 only. On va aller dans le livre de Philippe 2, verset 3 à 4. Yes, Philippians 2, verses 3 and 4. Yes, if anyone is there, you read. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. It simply says that what if you consider the interests of others above yours, or ahead of yours, at that point, you will not be comparing, you cannot jealous that people because you accept and you appreciate, you celebrate them. Yes. Et cela veut nous dire quoi? Que simplement de considérer les intérêts des autres. Et si les intérêts des autres étaient une priorité pour toi, cela veut dire que tu ne vis pas une vie de comparaison, de compétition, mais tu acceptes ces personnes, tu les aides à avancer. You see, when Solomon was praying to God, was given that opportunity to pray, what did he do? He asked God to give him wisdom to lead his people, which means the interest of the people was what Solomon needed, not his own interest. Et nous avons vu un peu dans le livre des rois quand Salomon est en train de prier, il a eu l'occasion de faire une demande à Dieu. Il a demandé à que Dieu puisse lui donner l'intelligence et la sagesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Ce n'était pas ses intérêts personnels, mais c'était plutôt l'intérêt du peuple qui était pour lui quelque chose d'important. God might have created you to be a businessman. God must have created you maybe to be a doctor. When you spend your time comparing and competing, you end up trying to do business, whereas it is not what you were created to do. Et quand tu vas essayer de te comparer aux autres, les uns les autres, tu vas finir par devenir un homme d'affaires au lieu d'être un médecin. Et Dieu t'a pas créé pour être un homme d'affaires. And when you don't succeed, et quand tu n'auras pas un succès à cela, bitterness comes in. Et l'amertume vient en toi. Jealousy comes la in. La jalousie prend la place. Before you know, you start talking bad about people. Avant même que tu ne te rendes compte, tu deviens sorcier. Because you force yourself into that situation. Parce que tu t'es forcé dans cette situation. But today is the new beginning. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que c'est un nouveau commencement pour nous. So if you listen attentively, si tu écoutes attentivement, apply the word of God in your life, applique la parole de Dieu dans ta vie, you will certainly be made popular by God. Tu seras certainement populaire par la parole de Dieu. Not by man. Ça ne sera pas par les êtres humains. The same thing happened with Joseph. C'est la même chose là, cette même chose là a été aussi dans la vie de Joseph. He had a lot of potentials. Il a eu beaucoup d'opportunités. He never compared himself to anyone. Il ne s'est jamais comparé avec qui que ce soit. He humbled himself. Il a été toujours humble. And
God uplifted him. Et Dieu l'a élevé. It is the same story for you and I. Et ça sera la même histoire pour vous et moi. Instead of looking at people with envious eyes, look at them and praise God for creating something great in your brother, your sister, or whoever. Au lieu de regarder les gens avec des yeux d'envieux, commence à prier pour ces personnes et dire merci à Dieu pour la bonne chose qu'il a mis en eux, pour cette bonne œuvre qu'il a fait de ces personnes, a béni le nom de Dieu pour la vie de tes frères et sœurs. If you compete and compare, you have jealousy towards your brother or your sister, maybe they are the one that have the key to open that door for you to enter into your destiny. Si tu continues à te comparer, à faire des compétitions avec tes frères et sœurs, la jalousie va prendre le dessus et tu ne pourras pas supporter ce frère, cette sœur. Or, pourtant, la clé de ta vie, la clé de ton succès est dans la main de cette sœur ou de ce frère. The time maybe you were supposed to take to get to that point, you will take longer as the Israelites did in the nation. Le temps que peut-être tu allais prendre pour pouvoir être dans la vie de ce frère, de cette sœur-là, pour ouvrir cette porte de bénédiction là pour toi, si c'était peut-être un mois, mais tu vas passer certainement 40 ans comme les Israélites l'ont fait dans le désert. So when the Spirit is talking to you as he was talking to Jesus, they say, if you are truly the Son of God, fall from this tall building and the Lord will not allow your foot to touch the ground. Just tell the Spirit to go away behind you. Et si, comme l'a dit, le diable a tenté Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, de cette montagne, jette-toi à terre et je sais que ta pied ne va pas toucher le sol parce que Dieu va envoyer ses anges pour te protéger. Quand tu vas entendre ce genre de comparaison, ce genre de parole dans ton oreille, dis au démon, arrière de moi. Jesus was able to live there and appear down there without even falling. Et vous savez que Jésus était capable de se lever lui-même de la terre pour pouvoir être sur la montagne sans une intervention d'un démon et d'un ange. He accepted to lay down his life and take it back. Et il a accepté de faire coucher sa vie, de mourir et de la reprendre pour vous démon sans que personne ne lui demande. But when he was pushed to do the things that would please people, he said no, he would not do it. Mais quand il était poussé de faire des choses qui allaient plaire aux autres, il a dit non, il n'allait pas le faire. And he had that power. Et il avait ce pouvoir de le faire. You and I, we don't have. Nous-mêmes, là, nous n'avons pas ce pouvoir. A little push, we go extra mile to do the things that will put pain in us. Et juste une personne, une petite pression, nous allons chercher vraiment une plus grande puissance pour pouvoir faire des choses qui vont nous causer des peines à l'intérieur. How will it help you if you have everything and everybody praise you and you leave empty-handed, a wretched man, and go? Comment est-ce que cela peut te faire du bien quand tu vis une vie de richesse où tout le monde est en vie et à l'intérieur, pas même dans ta maison, tu as une vie vide et tu vas mourir, tu vas partir sans rien. Comment est-ce que tu peux te sentir? Because those who engage in competition, they are not spiritual. They do earthly things, as we just read. Et il faut savoir que ces personnes-là qui s'engagent dans toutes sortes de compétitions, ils font des choses terrestres et ils n'ont aucune vie spirituelle. It doesn't mean that God doesn't bless his children. Don't get me wrong, because some people might get a message and think that, oh, God don't give riches to his people. Everything belongs to him and it belongs to us. Ne me comprenez pas très mal parce que cela ne veut pas dire que Dieu ne donne pas la richesse, la population, l'élévation à ses enfants, car tout appartient à Dieu. The difference is that when God blesses you, it doesn't bring you pain. Et la différence est que quand Dieu te bénit, cela ne te donne pas de pain. But when you force and go out of your way, take shortcut to make that riches, it will give you pain, sleepless night. Mais quand toi tu te forces toi, mais prends un raccourci pour pouvoir avoir cette richesse, ça va te donner des sommeils chaque nuit. Everybody have the choice to make. Et tout le monde a le choix. I can only pass the message, apply it to myself. Je peux simplement donner le message et moi aussi l'appliquer à ma vie, mais je ne peux pas vous forcer à appliquer le message à vous. But if you love your life, mais si tu aimes ta vie, run away from comparison. Fuis de la comparaison. Run away from competition. De toutes sortes de compétitions. We have very little time to live on earth here. Nous avons juste un tout petit temps pour pouvoir vivre sur cette terre vivante. So why not enjoy your day on earth here each second? Pourquoi nous n'allons pas jouir de cette vie-là, de chaque seconde de cette vie que Dieu nous donne sur cette terre? Why should let us be following you to come and pay debt? Pourquoi les gens doivent te suivre à gauche à droite pour venir payer des dettes? My brothers, we should run. Frères de sœurs, fuyez. It doesn't help. Cela n'aide pas. You have everything it takes to live a very simple, easy life. Christ, look at the life of Christ, my brothers and sisters. Tu as tout pour avoir une vie simple et une vie tranquille, vie de paix. Regarde un peu l'exemple de Christ. Which kind of life did Christ live? Quelle est le genre de vie que le Christ a vécu sur la terre ici? And we are followers of Christ. Et nous voulons le suivre. And every little thing that comes into the market, we want to have it. Et toutes les choses qui viennent aujourd'hui sur le marché, nous voulons to do what with it? Je veux faire quoi avec tout ça?
change our mindset. On doit changer nos mentalités. If you have the means, si tu as toutes ces choses, if you have the means, et si tu as ce qu'il faut, go for it. Va pour cela. But if you do not have the means, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour cela, don't compare and compete and put yourself in danger. Ne te compare pas et ne fais pas de compétition pour pouvoir te mettre dans des difficultés inutiles. Because you don't know the source of my income. Parce que tu connais pas la source de mon revenu. You don't know all the roads I'm walking in the night. You always see me here. Maybe when I leave here, I go and be crying the whole time. You don't know. And you are admiring me and you want to compare and compete. I pray God open our understanding and give us wisdom to do things according to God's ways and not man's ways. If you have a woman that is comparing you with another man outside there, you have to openly rebuke your woman. Si tu as ta femme qui te compare avec un homme de dehors, il faut vraiment parler à ta femme de manière sévère. Same thing. For the husband, if you have a husband that is comparing you with other women outside there, you have to rebuke him openly. C'est pareil aussi pour les hommes. Tu dois aussi parler de manière sévère à ton homme quand il te compare. Before God united you, He knows what you need. So support one another. Stop comparing. Stop competing. Et avant que Dieu puisse vous unir, il savait le besoin de chacun. Donc arrêtez de vous comparer les uns les autres. If we follow this instruction, my brothers and sisters, si nous suivons cette instruction, frères et sœurs, people will look at us and run to Jesus. Les gens vont nous regarder et courir à Jésus. Because you are going to live a simple life. Whatever people have, you bless them, celebrate with them. Et tu vas vivre une vie simple, et quelque part ce que les autres ont, tu vas les bénir et tu vas jouir de la bénédiction aussi avec eux. But if you have envious eyes because you want to have that thing, you are comparing and competing, you will not celebrate people. That's the same way nobody will celebrate you. Et quand tu as un cœur d'envieux, un cœur de jalousie, tu ne vas pas célébrer les autres, tu ne vas pas les encourager. Et c'est de cette même manière que tu n'auras personne aussi autour de toi quand tu seras dans le besoin. Faith without works is dead. La foi sans l'acte, c'est une foi morte. Faith without discipline is also dead. La foi sans la discipline, c'est aussi la mort. Faith without obedience is also dead. Et la foi sans l'obéissance, c'est une foi morte. We should be Christian with our lifestyle. Let us show, let people see. On doit être des chrétiens avec nos styles de vie. Nous devons, les gens doivent voir la chrétienté en nous. Sometimes, as examine lives, I see how things are going, I ask whether I don't understand God or what is going wrong. Très souvent, je vois la vie, j'examine certaines choses de la vie et je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous, les êtres humains? To be honest, 100% what people have is not my business. 100% de ce que les autres ont, c'est pas mon problème. And I celebrate people. Oh, pourtant je célèbre les personnes. And that's how God will also make others to celebrate me. Et c'est de cette manière que Dieu aussi permet à d'autres personnes de me célébrer aussi. But if I go to seek people's attention to celebrate me, then that one is fake. Et quand je vais chercher l'attention des autres personnes pour me célébrer, ça sera des choses fausses et ça va pas arriver. Let us run from such mindset. On doit vraiment courir de ce genre de mentalité. On doit fuir ce genre de mentalité. Let God make our way straight before Him. Que Dieu puisse vraiment conduire nos voies de manière directe. Where we are trying to go astray because of this flesh, let God bring us back. Et quand nous serons en train d'essayer de dérouter la voie que Dieu a tracée pour nous, que lui-même puisse nous ramener sur le chemin droit. Because His word, when it comes out, it is for edification, for instruction, for correction. Et parce que nous savons que quand sa parole sort de sa bouche, c'est pour nous édifier, nous corriger et pour nous instruire. And the word of God cannot go out and come back void without accomplishing the mission. Et nous savons que sa parole ne sort jamais de lui et revenir à lui sans être accompli la raison pour laquelle il a fait de la relâcher. Please put pride aside. S'il vous plaît, enlevez vraiment l'orgueil en vous. Because pride is what is leading people into competition. Parce que c'est l'orgueil qui envoie les gens dans la compétition. You want to arrive so that they see, yes, I have arrived. Tu veux que tout le monde voit que tu as arrivé, je suis là. When you arrive there, go back home, you cannot sleep. What is the game? Quand tu arrives aussi que tout le monde voit que tu es arrivé, quand tu vas à la maison aussi, tu as les sommeils. Donc c'est quel genre de jeu? Please,
should stop living a counterfeit life. Et que vraiment je vous exhorte, frères et sœurs, d'arrêter de vivre des fausses vies. Just humble yourself and live a simple life. Il faut avoir une vie simple, une vie d'humilité. And you see that life is worth living. Et tu verras vraiment la valeur de la vie. May God bless you.